Yo tout le monde, ici Akanet MC, j'espère que vous êtes tous très bien et bienvenue dans ce nouveau Let's Play les boys sur Nintendo Switch et sur Kirby Star Allies. Les boys, ça faisait très longtemps finalement que j'attendais ce jeu et il faut savoir que j'ai joué qu'une seule fois dans ma vie à un Kirby, c'était sur la première Game Boy. Et là, j'ai finalement l'honneur finalement de vous présenter ce premier épisode sur notre tout nouveau Let's Play finalement sur Kirby Star Allies, un jeu qui vient à peine de sortir, il est sorti hier. Il est sorti hier, mais moi je vous sors l'épisode finalement deux jours après, voilà. Bah écoutez, c'est parti les boys, j'espère que ce premier épisode va vous plaire. En tout cas, moi j'ai hâte de découvrir le jeu, je me suis pas spoil pour une fois. D'habitude, j'ai l'habitude de me spoil sur les jeux quand ils sortent, pour un petit peu ce que ça donne. On va donc démarrer, alors attendez, on va faire fichier 1, voilà, 0%, super. Alors mode histoire, héros de la frappe, mode d'histoire. Bah c'est parti, hein. c'est le but finalement de faire le mode histoire, hein. Je pense que ça vous en doutez. En tout cas, jeu très beau, très très beau. Magnifique. Ah, franchement, j'ai bien aimé la petite cinématique, là. Ah, il est tellement mignon, sans déconner, Kirby. Ah, ok, très bien. Alors... Ah, regardez. C'est comme... C'était dans quel jeu, ça, qu'on pouvait se déplacer comme ça? C'est pas dans Mario, Mario Bros, un truc comme ça? On peut se déplacer et choisir les niveaux comme on veut. Ah, c'est trop cool! Ah, regardez, il y a des trucs à récupérer. Est-ce qu'on peut... Ah, putain, ouais, on peut sauter. Retourne à l'écran titre. Non. Ok, ça, je sais pas ce que c'est. Vous ne possédez pas encore de pièces de tableau. Changer de monde. Ok, très bien. Alors, on peut se déplacer comme bon nous semble, finalement, dans le hub des niveaux. Et là, je crois qu'ici, c'est le premier niveau. Voilà, très bien. Bah écoutez, c'est parti les amis, on va découvrir ça ensemble. Pour ceux qui ne connaissent pas Kirby, bah écoutez, hein, vous loupez vraiment quelque chose. Parce que Kirby, c'est selon moi le personnage Nintendo le plus mignon, finalement. Et donc voilà. Alors, il faut savoir que Kirby Star Allies est un jeu de plateforme, hein, purement de plateforme. Et la nouveauté, apparemment, de ce que j'ai vu, hein, je me suis spoilé quand même un petit peu, mais juste pour les bases, c'est que on peut se faire des alliés et les utiliser et combiner... finalement les techniques des personnages avec notre arme en fait, donc ça pourra vraiment être broken, on pourra faire des trucs complètement stylés et surtout bah, ça inspire un petit peu des jeux de plateforme Mario, hein, je pense que ça vous en doutez puisque c'est de la 2D, il n'y a pas de 3D et c'est vraiment purement plateforme, on aura des boss, etc, des niveaux à passer et donc là c'est la phase de tuto, voilà, donc là on peut sauter, très bien B, ah ça c'est pour aspirer, ok, si j'ai rappuie encore une fois ça crache, très bien.
peut leur sauter dessus. Ok. C'est stylé. Ah là, je l'ai avalé. Ah, ça m'a donné une épée. Comment je tape? Ah, d'accord, c'est B, faut taper. Très bien. Ok. Ok, alors ça c'est... Ok, très bien. Ça c'est pour aller au niveau suivant, très bien. Aspire un ennemi possédant un pouvoir et avalez-le avec la flèche du bas pour obtenir son pouvoir. D'accord, ok. On va voir ce que ça donne, les boys. Alors, X. X, c'est quoi? C'est ça? Ah, bah voilà, regardez. Ça, c'est, je crois que c'est le fameux cœur. Il va le lancer et ça va le, ça va nous le donner, en fait, l'allié. Ouais, regardez, maintenant, il est avec nous. Ah, 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 faites-vous des amis grâce au cœur ami. Ah, c'est trop bien. Mais du coup, est-ce qu'on en a l'infini des cœurs? Telle est la question. Fraternisez avec les cœurs amis. Appuyez sur X pour jeter un cœur ami sur un ennemi possédant un pouvoir et en faire un ami. Ah ouais, regardez, du coup, c'est un ordi. Ah, c'est trop bien. X. Hop. Eh, on a un genre de Metal Knight avec nous. Ah, c'est trop bien. Tiens. Et du coup, on est 4. Ah, je peux voler, regardez ça. je vole. Oh putain. C'est énorme. Oh bah voler, j'avais oublié ça. Ouais. J'ai obtenu quoi là? Une graine de vie? Ah d'accord, ça marche. Oh. Ok, là je fais comment pour descendre? Ah putain, on peut faire des attaques comme ça. On voit des uppercuts. Ok, là il y en avait plusieurs là-dedans. Est-ce que je peux faire une attaque chargée? Ah oui, regardez, je peux faire une attaque chargée. Regarde, attends. Oh, qu'est-ce qu'ils font là? Oh putain. Ah, oh, il pleut des pièces. C'est plus des étoiles en fait. Hein. Oh, c'est bon. Ok, bah très bien. Ah, c'est kiffant le jeu, putain. Vous pouvez abandonner un pouvoir en maintenant Y ou en appuyant sur moins. Très bien, ça marche. Ah, j'aurais peut-être dû le... Ah tiens, une banane, à quoi ça sert les bananes? Ça redonne de la vie, c'est ça? Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah, alors ça, c'est un ennemi qui a un pouvoir de feu. Donc du coup, faites-vous un ennemi et levez votre arme. Ah. Ah du coup il veut qu'on remplace quelqu'un. Ok, bon, on va remplacer lui. Et là je fais quoi? Je fais ça. Qu'est-ce que ça fait? Putain, 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 putain. Wouah, Pierrot épée. Oh, oh putain, on a une épée de feu les mecs. Oh, truc de fou. Oh putain. Ah, oh, je l'ai carbonisé le truc. Oh, c'est trop bien, hein. Ouais, je crame tout. Oh, le jeu, il est kiffant, putain. Oh, une bombe. Ah, j'ai allumé la bombe. Allez, regardez. Non, je voulais pas le tuer. Ah, non, je sais pas ce que je voulais faire. Attendez, parce qu'il y a un truc à récupérer là-dessous. Comment je fais pour y aller? Ah bah, je passe par là, tout simplement. Il y a plein de pièces en fait. Qu'est-ce qu'on a récupéré? Il y a une pièce de puzzle. Ah, un truc de fou. Levez votre arme pour qu'un allié l'enflamme. Pour qu'un ami l'enflamme. D'accord, ouais, d'accord. Ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, donc très bien. Donc en fait, dès qu'il y a un ennemi qui a un pouvoir spécial, on pourra le combiner à notre arme. C'est trop bien. Attendez, j'ai pas loupé quelque chose là? On va pas descendre. Peut-être des passages secrets, hein, faut faire gaffe parce que vu que c'est un niveau de... Vu que c'est un niveau de plateforme en général, enfin un jeu de plateforme, il y a toujours des petits trucs cachés finalement. Regardez, on peut aller là. Comment je fais pour aller là-haut?
Il va passer par là? Non, ok, très bien. Ah bah il y a des trucs ici. Oh, oh ouais, ouais, ouais. Ok. Il y a plein de trucs ici. Ah, j'aime bien ce bruit. Non, 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 fallait pas le tuer, il avait un pouvoir spécial qu'on n'avait pas eu. Ah, dommage. Oh, un boss. Oh, il a pris cher et j'ai fait une attaque chargée. C'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'on obtient? Oh! Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Pouvoir de glace. On a trouvé une big pièce de puzzle. Ok. Oh merde. Attendez, y'a pas des trucs là-haut? Ça c'est... Eh hey, je reste bouche bée les mecs tellement que le jeu est fun. C'est énorme. Oh, ça c'est quoi? Ça veut dire la fin du niveau déjà? Ok. Jeu de fin d'étape. Commencez. Sautez. J'ai pas compris. Ah, d'accord, donc là on a trouvé 1, 3, 7 pièces de puzzle. Par contre il nous dit une pièce de puzzle encore à trouver. Ah non d'accord, c'est pour le prochain tableau. Ah. Les gros pièces de puzzle, grosses pièces de puzzle te donnent 3 pièces de puzzle. Très bien. Vous pouvez ajouter un effet de feu, de glace, d'électricité et plus encore à une arme. On pouvait ajouter plusieurs effets à une arme? Oh, alors ça c'est broken les mecs. Je vous le dis. Alors comment on fait pour savoir si on a fait le niveau à 100%? Attendez, je retourne juste dedans mais on quitte. Ne vous inquiétez pas, je vais pas le refaire. C'est juste pour savoir si on peut savoir combien de trucs... Alors, 13 c'est quoi? C'est le nombre de vie. 25 c'est le nombre d'étoiles. D'accord, ok, bon c'était juste pour voir en fait. Ah non, pas Amiibo. J'ai des Amiibo, mais je pense pas. Ok, bon, je sais pas comment on fait pour savoir si le niveau on l'a fait à 100% ou pas. Mais apparemment, il y a une petite pièce de puzzle qui apparaît à côté du truc, donc peut-être que si je fais start. Attendez, il y a des trucs là. Dreamland. Pirouette givrée. Tempête glacée, boule de glace. Glaçon torpille. Cryo épée. Cryo trancheur. Cryo curling. Ça c'est quoi ça? Sauter, attaquer. Ouais. Paramétrer. Ok, bon écoutez, on va faire le niveau suivant, on va voir. Hein. Ah si, regardez, vous avez vu la vignette, la nouvelle vignette là du niveau 2, apparemment, il y avait pas le... Il y avait un moule finalement de la grande pièce de puzzle qu'on n'a pas trouvé, donc du coup c'est grisé. Donc ça veut dire que l'autre, on l'a trouvé en fait.
Ah, du coup, là, on a un perso de glace cette fois-ci. On va le changer à la place de. De lui. Ah, j'ai pas de. Abandon de pouvoir. Oh, mais je peux gober mon allié? Oh, oh putain! Oh, c'est un truc de fou! Ah, oh, ouais, d'accord, ok. Si je fais ça. Je peux parer les coups, on dirait. Wow. Eh, attendez, feu et eau, ça fait quoi? Ah, j'ai fait quoi? Ah, je peux donner le pouvoir de l'hydro-épée à un allié? Ah, c'est trop kiffant, les mecs. Oh, putain. Attendez. Là, il y a une grande étoile. Ok. Comment je fais pour descendre? Ok. Voilà, il y a ça. Est-ce que je peux remonter là-haut? Il y a peut-être quelque chose. Ah non, il n'y a rien du tout, hein. Ok. Allez par là. Ok, niveau suivant. Ah putain, le jeu l'équipe, mec. Alors c'est un peu encore un peu bordélique. J'ai du mal à comprendre un petit peu ce qui se passe parce que forcément quand t'es à 4, comme il y a 4 alliés, ben c'est. Voilà, c'est chaud. Allez, par contre là j'ai. Voilà. Et moi je garde le pouvoir du feu, moi. J'ai encore du mal à savoir quand attaquer. Voilà. Oh là, il y a une grande pièce de puzzle. Enfin, je crois que c'est la grande. Je suis pas sûr. Oh. Ah, c'est quoi ça, des burgers? Ça redonne de la vie, ça, je pense. Ouais, ouais, c'est ça. Ok, nickel! Si vous jetez un cœur ami sur une essence de pouvoir, celle-ci se transforme en ami. D'accord. Là, tu peux faire des petits combos et tout, c'est vraiment stylé, quoi. Ça. What? Oh! Attendez, attendez, que je comprenne le pouvoir quand même. Attendez, qu'est-ce que ça fait? Oh! Regardez ça! Us! Alors là, je me transforme en statue. Il est pas génial ce pouvoir, mais. Oh putain! Attendez. Oh, il se transforme en n'importe quelle statue, tu sais. Ouais. Oh putain. Ah. Attends, va. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a ici? Y'a rien là. Oh putain. Okay.
Alors j'aime pas trop ce pouvoir parce que ça nous arrête trop en fait. Mais il est pas mal, il est pas mal. Du coup attendez, si je fais ça. Non c'est pas ça. Abandon de pouvoir. Voilà, du coup là, si je viens que toi je te gobe. Attends. Voilà, je le mange. Du coup je chope ça. Alors là c'est quoi? Ça c'est peut-être un niveau bonus, non? C'est une étoile un peu rouge. Le pouvoir rocher peut bénéficier d'un pouvoir d'ami grâce à un ami maîtrisant. Ah ouais d'accord, j'avais même pas fait gaffe. Ah ouais, il y a des petites combines comme ça, c'est sympa. Ah, au final... Attends, il va me donner le pouvoir de l'eau sur le trou crochet. Hydro Curly. What? Oh, c'est quoi ce délire? D'accord, ok, bah ça c'était juste pour avoir... D'accord, ça marche. Un petit niveau, on peut récupérer des pièces de puzzle, c'est cool. Attends, mais du coup, si je fais ça... Ah, du coup, je crache de l'eau, là. C'est énorme. Il a carrément un chapeau d'eau, tu sais. Enfoncer les piquets dans le sol grâce au pouvoir rocher et marteau. Ouais, donc ça, c'est ce qu'on a fait avant. Ok. Aïe. Il y a rien de caché ici. Ok, très bien. Ah, c'est kiffant, franchement c'est... Là il faudrait qu'on ait quelque chose là. Pouvoir d'ami. Tiens vas-y. Fais ça. Vas-y. Ah il lui faut de l'eau tout court en fait. Ah, il lui faut de l'eau. Là, 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 là. Là, il y en a un. Non, non, le tue pas, le tue pas, le tue pas. Le tue pas. Voilà. Et là, tu fais ça. Ah, merde. Ah non, il est nouveau avec nous. Ok. Alors, attends. Que je me trompe pas. Là, je pense qu'il faut que je passe ça. Que je gobe toi. Que je fasse ça. Et que je fasse ça. Non, 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 non. Attends. Attends, c'est quoi ça? Ok, bah, je comprends pas. Aïe. Ça vient par là. Voilà, c'est ça que je veux que tu fasses. Non, c'était pas ça. Ah bah... Okay. Oh putain! Ok, tant mieux. Oh, il y a une grande pièce de puzzle là en bas. Comment je fais pour y aller? Ah, c'est bon, je sais comment y aller. Putain, par contre... Ok, on va aller par là. Yes! Là, ça, c'est la grande pièce de puzzle. Voilà, on l'a trouvé. C'est celle qu'il faut trouver en fait, c'est le truc principal.
Nickel, on a réussi à le trouver. C'est parfait, c'est parfait. Ok, nickel. On peut ajouter des effets de feu de glace d'électricité plus encore à une arme. Est-ce qu'on peut combiner les trois en même temps? Donc là on descend. Oh yes, qu'est-ce qu'on a fait là? On a appuyé sur un bouton. Palais des rêves ouvert. Vous avez activé le gros interrupteur donnant accès au palais des rêves sur la carte du monde. D'accord. Ça marche. Je sais pas du tout ce que c'est, mais on verra ce que c'est hein, dans le prochain épisode en tout cas. Appuyez sur A quand vous atteignez le point le plus bas. Ok. D'accord. C'est la fin du niveau. Très bien. Quand c'est des portes comme ça en or qui scintillent, c'est la fin du niveau. Alors là, quoi, c'est ça là. Jeu de fin d'étape. Commencer. Ah d'accord, c'est ça. Faut appuyer vraiment au dernier moment quoi. On est arrivé en première position, ça veut dire qu'on a gagné des bonus. D'accord, on a gagné des pièces de puzzle et 30 trucs. Ça marche. On a eu pas mal de pièces de puzzle. On dirait Kirby qui est en fond, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais... Ah. Oh. Alors qu'il n'a plus aucun Kirby en réserve, la partie se termine. D'accord, ça marche. Bon, je pense qu'il faut vraiment le faire exprès pour que tout le monde crève, quoi. Bon. Le mont Mielleux. Ah, et le palais des rêves. Super. Le palais des rêves ouvre ses portes. Vous pourriez y croiser des personnages légendaires. Ah ouais, d'accord, ok, ça marche. Coupe le chocolat. D'accord, donc là, on a fait le truc à 100%, et ici... À 100% aussi, on dirait. Bah, on essaiera de faire ça à chaque fois, si on peut, sinon c'est pas très grave, je ferai ça hors vidéo. Mais en tout cas les amis, je vous remercie d'avoir regardé bien évidemment ce premier épisode sur Kirby Star Allies. J'espère vraiment et sincèrement qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en laissant le petit pouce bleu des familles qui fait super plaisir. Et puis sur ce, je vous donne rendez-vous bien évidemment la fois prochaine pour continuer notre aventure sur ce nouveau let's play, donc Kirby Star Allies. Un jeu très prometteur, hein, vraiment de plateforme, hein, full Mario Bros like, j'ai envie de vous dire, avec une mécanique de gameplay vraiment très bien poussée, j'ai l'impression. Un petit peu bordélique au début, c'est normal parce qu'on découvre le truc, on connaît pas trop et tout, mais je pense qu'avec le temps, on s'habituera finalement avec les alliés, etc. On complétera un petit peu les combines et tout. Ça va être cool. Bref, en attendant, pensez au pouce bleu, ça fait super plaisir. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Et à la prochaine, c'est Taikonite, and see you next time for the next episode. Oh yeah!